Ma vie est ton dîner pour Sanayo. Tu es celui qui donne et qui reprend. Ce qui importe, c'est d'être dans ton cœur. Mote mananga ezukae. Mais de chacune de mes blessures coule tes louanges. Yango na yemba nini susu. Si ce n'est ce refrain, béni soit ton nom, Emmanuel. Ton nom, Emmanuel. Tous les rejets des humains n'ont pas changé les projets divins. Être rejeté n'est pas le problème. Ce qui importe, c'est où est-ce que l'on tombe. Avec nous, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Emmanuel. Béni soit ton nom. Alors que le ciel est ouvert, nous le crions très fort. Béni soit ton nom. Dans nos cœurs, tu es béni. Et aujourd'hui, nous allons passer un moment merveilleux dans la présence de Dieu. La Bible dit
David est dans la joie lorsqu'il entre dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans la maison de l'Éternel, il y a la paix. Il sait que dans la maison de l'Éternel, il y a le repos. Il sait que dans la maison de l'Éternel, il y a son aide. Voilà pourquoi ensemble, on va passer ce moment glorieux de la présence de Dieu. Et je suis convaincu, que Dieu va nous faire du bien en ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni. Déjà, dès que tu es, je crois qu'il n'y a aucune limite dans le spirituel. Voilà pourquoi, pendant que je suis ici, pendant que tu es dans ta chambre, pendant que tu es sur ton lit, pendant que tu es au travail, le Seigneur peut nous rendre un esprit afin que nous puissions rentrer en contact avec lui et afin que le Seigneur lui-même puisse nous faire du bien. C'est pourquoi je veux que tu vas commencer à discuter et tu vas commencer à bénir le nom du Seigneur. Tu vas commencer à lui dire merci pour l'opportunité qu'il crée, de sorte à ce que nous puissions, en ce moment-là et maintenant, là même, rentrer dans sa vie. Est-ce que du Dieu où tu es, tu peux commencer à bénir le nom du Seigneur? Tu peux commencer à lui dire merci pour ce qui est extraordinaire. Tu peux commencer à lui dire merci pour la vie qu'il te donne pour ce matin. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour la vie que tu nous donnes pour ce matin. Merci Seigneur parce que tu renouvelles tes bontés dans nos vies. Merci Seigneur pour la santé que tu nous donnes. Dis bien merci à Dieu parce que le fait que tu sois en vie pour ce matin n'est pas un fait ordinaire ou bien un fait qui se produit de manière normale. Ta vie en ce matin est une manifestation extraordinaire de la vie de Dieu et de la main de Dieu total. Voilà pourquoi je veux que tu continues à dire merci à Dieu. Oh merci à Dieu de Dieu pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu nous donnes ta vie. Merci Seigneur parce que tu nous donnes une bonne santé. La même chose que tu renouvelles tes beautés dans ma vie chaque matin. Et à chaque soleil, tu renouvelles tes beautés. Seigneur, si je suis en vie pour ce matin, c'est seulement parce que tu l'as vu. Voilà pourquoi, pendant que tu me fais prendre conscience de la grâce que tu me donnes d'avoir ta vie, Seigneur, j'aimerais t'exprimer ma reconnaissance. Dis merci à Dieu pour ma vie. Dis merci à Dieu pour la santé que tu te donnes. C'est tellement que tu as vaqué à tes occupations. C'est tellement que tu as vaincu à tes différentes activités. Et c'est une grâce de Dieu. Voilà pourquoi je veux que tu puisses donner le nom du Seigneur. Voilà pourquoi je veux que tu puisses dire merci pour cette vie qui te donne. Pour ce renouvellement de vie qui t'accorde. Pour ce renouvellement de santé qui t'accorde. Pour cette grâce qui t'accorde également à ta famille, à tes proches. Bénis le nom du Seigneur. Oh, béni sois-tu en vie. Béni sois-tu en vie. Je sois élevé. Béni le nom du Seigneur. Que tout t'accorde soit. Alléluia. Tu vas encore prier et tu vas demander au Saint-Esprit de venir te faire du bien. De venir te faire du bien en ce moment. Vous savez, on vient beaucoup à des activités qu'on qualifie de spirituelles. On entre et on ressort tel qu'on est venu. Et le Seigneur là, ne dégage pas quelque chose de notre vie que ne nous communique pas forcément sa pensée. Voilà pourquoi je vais demander au Seigneur de faire de telle sorte que ce instant, ces quelques minutes, mais c'est une heure que nous allons passer dans sa présence, puisse vraiment te faire du bien, que ça soit plus à ta vie de prière, que ça te donne de te rapprocher davantage de lui. Voilà pourquoi tu vas demander au Saint-Esprit de venir vraiment conduire ce moment, de venir vraiment imposer sa volonté à ce moment. Est-ce que tu peux commencer à parler en présence? Alors, Saint-Esprit, bien sois-tu. Père, c'est parce que tu nous donnes cette grâce et cette opportunité d'être dans ta présence à cette heure précise. Oh Seigneur, viens nous faire du bien. Saint-Esprit, 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 viens nous faire du bien. Oh Saint-Esprit, viens remplir nos cœurs de ta présence. Saint-Esprit, viens remplir notre esprit de ta présence. Saint-Esprit, viens saturer le lieu où nous sommes situés à la maison. Demande au Saint-Esprit de venir saturer la chambre. Si tu es au bureau, demande au Saint-Esprit de venir saturer le lieu où tu es. Peu importe le lieu où tu te trouves, demande au Saint-Esprit de venir saturer l'atmosphère. De sorte à ce que ce moment puisse vraiment te faire du bien. Oh Saint-Esprit, viens saturer, viens saturer, viens saturer, viens saturer l'atmosphère de ta présence, viens saturer l'atmosphère de ta présence, viens saturer l'atmosphère de ta présence. Oh, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. À qui irions-nous si nous sommes à toi? À qui irions-nous à Dieu de Dieu? Oh Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, tu as besoin de lui. Sur cet esprit, tu as besoin de lui pour ta vie spirituelle, tu as besoin de lui pour tes activités, tu as besoin de lui pour tous les domaines de ta vie, tu as besoin de lui. Le Saint-Esprit est une nécessité pour ta vie. Voilà pourquoi tu veux que du lieu où tu te trouves, tu commences à exprimer le besoin que tu as d'avoir le Saint-Esprit dans ta vie. Est-ce que tu peux commencer à parler? Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. La jeunesse a besoin de toi. Nos jeunesses ont besoin de toi. Nos familles ont besoin de toi. Notre vie a besoin de toi. Nos études, notre travail, notre mariage a besoin de toi.
chose de toi, à nous le Dieu, c'est que nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, que ta présence ne nous fasse pas des choses. Que ta présence ne nous fasse pas d'écho, que ta présence ne nous fasse pas d'écho, que ta présence ne nous fasse pas d'écho, Saint-Esprit. Oh, béni sois-tu. Est-ce que je peux commencer à adorer ton Dieu, à lui dire combien de fois il est extraordinaire. Oh, tu es fidèle, tu es bon. Dieu est bon pour toi, Dieu est bon pour toi. Voilà pourquoi je veux que tu puisses lui dire qu'il est Dieu. Je veux que tu puisses lui dire qu'il mérite de recevoir l'adoration, qu'il mérite de recevoir l'élévation. Il mérite de recevoir la louange, l'honneur, la gloire. Oh Seigneur, tu mérites. Lui, il mérite parce que il s'est lui-même sacrifié pour toi. Écoutez, il n'y a pas plus grand miracle, il n'y a pas plus grand fait extraordinaire que l'action que Jésus a accomplie à la croix pour ta vie. Voilà pourquoi je vais dire, Seigneur, mon cœur te lève, mon cœur t'adore, mon cœur t'honore. Seigneur, je veux te reconnaître que tu es Dieu, je veux reconnaître qu'il n'y a personne comme toi, il n'y a personne comme toi. Si c'était des hommes et même dans le ciel, il n'y a personne comme toi. Seigneur, tu vis à jamais, je veux que tu élèves le Seigneur. Peut-être que tu passes par des temps où tu te demandes si le Seigneur est vraiment vivant dans ta vie, ou si le Seigneur est vraiment réel pour toi. Mais je veux te dire qu'au-delà de toutes tes circonstances, au-delà de tous ces faits-là qui s'imposent à ta vie, le Seigneur en contrôle. Voilà pourquoi je veux que tu le lèves au-delà de tout ça. Je veux que tu le lèves au-delà de toutes tes difficultés. Je veux que tu le lèves au-delà de tous ces problèmes par lesquels tu passes. Oh Seigneur, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Et tu vis au-dessus de tout. Seigneur, tu es au contrôle. Tu es au contrôle absolu parce que tu es le maître de l'invisible et du monde visible. Seigneur, tu es le maître absolu. C'est pourquoi en ce matin, je vais élever mon cœur vers ton trône. Et je veux reconnaître que tu es Dieu au-dessus de tout. Que tu es Dieu au-dessus de tout. Que tu es Dieu au-dessus de tout. Oh, tu vis à jamais. Tu vis à jamais. Et ton trône n'a point de fin. C'est pourquoi en ce jour, tu veux m'allier à toute l'armée céleste, reconnaître que tu vis à jamais. Et dis alléluia à ton nom. Et dis alléluia à ton royaume, à ton règne. Et dis alléluia à ta souveraineté, à ta suprématie. Oh Seigneur, tu mérites. Tu mérites. Tu mérites, âme de Dieu. Tu mérites. Tu mérites. Tu mérites que toute la gloire te soit rendue, que toute la gloire te soit rendue. Oh, merci Saint-Esprit, parce que tu nous fais du bien, parce que ta présence nous fait du bien, parce que ta présence nous fait du bien, parce que ta présence nous fait du bien, que toute la gloire te soit rendue. Amen. Tu vas encore prier et je vais mettre mon nom au Seigneur de nous préparer en ce matin. Je bénis. Te dis quelque chose qui va te relever si tu es à genoux. Que le Seigneur te dise quelque chose qui va te donner d'avancer si tu es arrêté. Que le Seigneur te donne une parole qui va te donner le courage de te propulser quelque part. Demande au Seigneur de vraiment te faire du bien au travers de ce message qui sera donné. Est-ce que tu peux commencer à parler au Seigneur? Oh Seigneur, viens nous faire du bien. Seigneur, viens nous faire du bien par ta parole, par ta parole. Dis que la parole que tu nous as donnée est esprit et vie. Viens nous faire du bien au travers de cette parole. Viens nous faire du bien. Oh, viens communiquer ta pensée à ton peuple. Viens communiquer ton esprit à ton peuple. Et donne-nous de grandir. De cette même manière que la parole est une nourriture, que cette nourriture vient nous donner de prendre des forces et de prendre notre enfant dans le nom de Jésus. Oh, béni sois-tu Seigneur parce que tu nous fais du bien. Par ta parole qui est vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je suis vraiment content d'être devant vous en ce jour. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est un privilège pour moi aussi. J'aimerais saluer toutes ces personnes qui nous suivent, que ce soit les membres de la jeunesse ou bien les membres de la communauté sœur. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fasse du bien au travers de ce message dans le nom de Jésus. Ce matin, le thème que le Seigneur a mis à mon cœur, est « Sois résolu ». Voilà pourquoi du lieu où tu es, je veux que tu dises avec moi « Sois résolu ». Dis-lui encore « Sois résolu ». Encore une dernière fois « Sois résolu ». Écoutez, le Seigneur, avant de mettre ce message-là, ce thème-là dans mon cœur, m'a fait comprendre que
ce message allait venir pour répondre à un besoin bien précis. Dieu n'est pas un Dieu qui est stéréotypé, Dieu n'est pas un Dieu qui est carré. Dieu agit en fonction des circonstances. Voilà pourquoi depuis le livre de la Genèse jusqu'à ce qu'on arrive au livre de l'Apocalypse, vous allez vous rendre compte que le Seigneur a eu plusieurs manifestations. Dieu répond en fonction du besoin qui se présente. Je peux susciter un Moïse, mais en même temps, il est en train de préparer un Josué. Je peux susciter un Jephthé quelque part là-bas, mais en même temps, il est en train de préparer un Paul qui va venir plus tard. Et en fonction du besoin qui se présente, le Seigneur travaille bien, le Seigneur agit. Dieu est le temps des temps et des circonstances. Alléluia. Et Dieu a mis à mon cœur ce thème-là parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui manquent à l'Église aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui manquent à la jeunesse. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent en tant que jeunes chrétiens. Et l'une des choses qui nous manque, c'est la résolution. Voilà pourquoi le Seigneur a attiré mon attention là-dessus. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais venir bien dire en ce jour? Quelle parole est-ce que tu veux nous donner? Le Seigneur m'a dit, on a besoin d'être résolu. Nous avons besoin d'être résolu. La résolution est une nécessité pour toi. Dans ta marche avec le Seigneur, dans tous les domaines de ta vie, même la résolution est une étape que tu dois atteindre. La résolution est un facteur que tu dois considérer dans ta marche avec le Seigneur, dans tes activités. Arrivé à certains niveaux de ta vie, tu as besoin d'être résolu. Écoutez, Dieu ne peut pas travailler sur cette terre des hommes sans des hommes qui sont résolus. Non. Dieu ne peut pas travailler sans des hommes qui sont résolus. Dieu ne peut pas travailler sans des hommes qui sont résolus. Et même dans ce domaine de résolution, le domaine de résolution est tellement complexe qu'on peut avoir affaire à des hommes qui sont résolus. Mais Dieu ne peut pas également travailler avec eux. Pourquoi? Parce que leur manière d'être résolu n'est pas cette manière que Dieu attend d'eux. Ah. Le Seigneur va te faire du bien au travail de ce message. Va te faire du bien. On a besoin d'être résolu. On a besoin d'être résolu comme Dieu veut que nous soyons résolus. Donc déjà, je veux que tu comprennes que la résolution est une nécessité pour ta vie. La résolution est une nécessité pour ta marche avec Dieu. La résolution est une nécessité pour la manifestation de Dieu dans ta vie. Ce que je veux dire, c'est que la résolution n'est qu'une étape dans tout ton processus. Alléluia. La résolution n'est qu'une étape dans tout ton processus. Mais pour arriver à la résolution, il y a, comme je l'ai dit, c'est une étape dans un processus. Et donc, pour arriver à cette étape ou à cette dimension de résolution, tu dois passer quelque part. Dis avec moi, je dois passer quelque part. Dis-lui encore, je dois passer quelque part. Aujourd'hui, on va prendre du lieu où tu vas prendre ta Bible dans le livre de Luc. Luc chapitre 2, à partir du verset 25. Luc chapitre 2, à partir du verset 25. Et je lis la parole de Dieu. À Jérusalem, il y a un homme appelé Siméon. Cet homme est juste et fidèle à Dieu. Il attend celui qui doit venir être la force du peuple d'Israël. L'Esprit Saint est avec Siméon. Et il lui dit à l'avance, tu ne mourras pas avant de voir le Messie du Seigneur Dieu. Je lis dans la version parole de Dieu. Verset 27. Alors Siméon, poussé par l'Esprit Saint, va dans le temple. À ce moment-là, les parents de Jésus appellent Jésus pour le faire baptiser, sinon pour faire ce que la loi du Seigneur demande pour lui. Simeon prend l'enfant dans ses bras. Il remercie Dieu en disant, maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir dans la paix comme tu l'as dit. Oui, mes yeux ont vu le salut que tu nous donnes. Verset 31. Tu l'as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître au monde entier. C'est la gloire de ton peuple. C'est la gloire d'Israël. Amen. Vous voyez ici, on a affaire à Siméon. Et les théologiens disent que Siméon, un peu plus bas, on n'est pas arrivé là, c'est Francis, on parle d'une femme aussi qui s'appelle Anne. Et en général, quand on fait les études sur eux, on les met ensemble. On a dit que Siméon était des personnes qui étaient très âgées. Qui étaient très âgées. Et l'une des premières choses que tu dois comprendre, en ce qui concerne la résolution, c'est ton identité. Dis avec moi mon identité. C'est ton identité que tu dois d'abord connaître. J'ai dit que la résolution n'est qu'une étape dans un processus. Et le processus commence par ton identité. Le processus commence par ton identité. La Bible dit que Siméon était là. Et le Seigneur lui a dit,
mon fils Simeon, tu ne mourras pas tant que tu ne verras pas la consolation d'Israël. Et donc, Simeon était attaché à cette parole que le Seigneur lui avait dite, à cette révélation que le Seigneur lui avait dite. En d'autres termes, la mission de Simeon était de rencontrer le salut d'Israël, était de rencontrer le Messie. Et donc, tant que cette mission n'était pas accomplie, Simeon ne pouvait pas mourir. Voilà pourquoi il a dit, tu peux maintenant laisser ton serviteur aller et mourir en paix, parce que j'ai vu ton salut. Tu veux dire à quelqu'un, tu ne peux pas parler de résolution tant que tu ne sais pas qui tu es, ou bien tant que tu ne sais pas ce à quoi tu es appelé. Alléluia. Tu ne peux pas parler de résolution tant que tu ne connais pas ton identité, ou bien tant que tu ne sais pas ce à quoi tu es appelé, ou bien la volonté de Dieu pour ta vie. Ces deux choses sont fondamentales et essentielles pour pouvoir être résolu. Simon était homme. Certaines personnes disent qu'il était âgé, il était très âgé, mais le Seigneur lui avait dit quelque chose. Le Seigneur lui avait révélé le pouvoir de son existence. Et le pouvoir de son existence, c'était de voir la consolation qui allait venir en Israël. Est-ce que tu me suis? C'était de voir la consolation qui allait venir en Israël. Et aujourd'hui, nous tous sommes dit ce passage-là. Pourquoi? Parce que Simeon a vu cette consolation et il a abîmé cette consolation. Il dit, Seigneur, merci parce que tu m'as permis de voir cette consolation. Et c'est un témoignage que nous avons volé. Plusieurs fois, on lit ce témoignage-là avant nous. Et nous-mêmes, nous sommes en train de lire ce témoignage. Nous allons laisser ce témoignage. Et nos enfants ont béni ce témoignage. Simon savait pourquoi est-ce qu'il pouvait. Il savait que même qu'il n'avait pas vu la consolation. Écoute, tu ne peux pas avoir le pouvoir de ta vie sur terre tant que tu ne sais pas toi-même qui tu es d'abord. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'identité. Et ton identité se trouve en Dieu. Ton identité se trouve en Dieu. Ta véritable personne, ta véritable identité, ta véritable nature se trouve dans la révélation de Dieu pour ta vie. La Bible nous dit que Simeon a certainement su ce à quoi il était appelé. Il a certainement su qu'il ne mourrait pas tant qu'il n'allait pas avoir la consolation. Mais avant d'arriver au pouvoir, sans savoir qui tu es, Dieu ne peut jamais te donner. Il ne pourra pas te donner plus de détails par rapport à la mission que tu as appelée à faire, même que toi-même tu ne sais pas qui tu es. Ton identité compte. Et le seul endroit où on peut avoir une idée claire de notre identité, c'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu seulement que tu peux avoir une claire vision de ton identité. Alors, quand tu mets ça, il dit Seigneur, moi je suis là et j'ai plusieurs doutes en ce qui concerne certains aspects de ma vie par rapport à la volonté de Dieu. Je dis Seigneur, j'ai besoin de savoir ce que tu veux. J'ai besoin de savoir ce que tu veux. À quoi ça sert de vivre si tu ne sais pas ce que Dieu veut pour ta vie? À quoi ça sert de vivre si tu ne sais pas quelle est ton identité en Christ? Tu as besoin de savoir qui tu es. Écoutez, le diable ne sait pas qui tu es. Ton identité là, c'est attribué seulement à Dieu. C'est Dieu seul qui sait qui tu es réellement, ce que tu as appelé à faire. Le diable peut se baser sur certaines actions que tu vas poser. Quand tu es dans la volonté de Dieu, c'est pas sur certaines actions que tu poses, mais sur les circonstances. Et il projette un peu comme les statisticiens. Il projette et puis se dit, certainement lui là, il a appelé à faire ceci, il a appelé à faire cela. Et il commence à mettre des oppositions dans ta vie, des blocages, de faire que cela arrive. Mais il n'a aucune idée claire de ce que tu es appelé à faire, ou bien même de qui tu es. Et ça, je veux que vous puissiez me répondre. Quand on prend le livre de Matthieu, à partir du chapitre 4, la Bible dit que l'Esprit de Dieu a poussé Jésus dans le désert pour être tenté. L'Esprit de Dieu a poussé Jésus dans le désert pour être tenté. Et quand la Bible fait ses 40 jours et ses 40 nuits, la Bible nous dit que Satan est venu pour le tenter. J'aime la manière dont Satan est venu pour tenter Jésus. Parce que il est venu et il lui dit, si tu es le fils de Dieu, fais ceci. Si tu es le fils de Dieu. En tout cas, il s'attendait à voir vraiment si le Jésus qui avait créé beaucoup de prophètes dans le monde spirituel était le fils de Dieu. Ça veut dire que lui-même, il ne savait pas si c'était le fils de Dieu ou pas. Il ne savait pas. Écoutez, bon, tu viens voir quelqu'un, tu lui dis, en général, on pense à vous amuser et on dit, si tu es garçon, fais ceci ou bien fais cela. Et la personne en question pour prouver le fait qu'il soit un garçon, pour qu'il soit à la force, il pose l'action. En tant qu'elle ne pose pas l'action, ça veut dire qu'il n'est pas le garçon, mais qu'elle n'est pas la force. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et donc, quand ça revient, et puis si tu es le fils de Dieu, transforme ce
que par Saint-Pierre en paix, transforme Saint-Pierre en paix. Et il s'attend pour voir vraiment si Jésus est le Fils de Dieu. Mais Jésus savait qui il était. Il n'avait rien à prouver au diable. Il n'avait rien à prouver au diable. Il n'avait qu'à attirer les hommes pour que la mal ou bien que le ciel puisse souffrir et que la nature puisse descendre. Mais il n'avait rien à prouver au diable. Pourquoi? Parce qu'il savait qui il était. En d'autres termes, le diable ne sait rien de toi. Oui, le diable ne sait rien de toi parce que ton identité est cachée au Dieu. Seul Dieu a la révélation de ton identité, seul Dieu a la révélation de ce à quoi tu es appelé, de ce à quoi tu es destiné. Je vous pose une autre question. Est-ce que le diable savait que, en envoyant Jésus à la croix, ça allait contribuer à la gloire de Dieu? Moi, je suis là, il me dit, le diable est malin, mais sa malice n'est que bénéfice de la présence de Dieu. Alléluia. Oui, sa malice n'est que bénéfice de la volonté de Dieu. Oui, oui. Parce que s'il savait, quand nous accomplissons cette action, il est temps de nous racheter, honnêtement, je ne pense pas qu'il allait mettre des stratégies en œuvre de sorte à ce que le Christ puisse aller mourir à la croix. Donc je veux dire à quelqu'un, ton identité, le diable ne sait, il n'a aucune idée de ton identité. Il n'a aucune idée de ce à quoi tu es. Dieu t'a appelé à premier, il n'a aucune idée de ce que Dieu a prévu pour toi. Aucune idée. Aucune idée. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il crée des circonstances, il te fait passer par des moments difficiles de sorte à ce que tu puisses attribuer, mais de sorte à ce que tu puisses te donner une identité en fonction des circonstances par lesquelles tu passes. C'est pour ça qu'une personne, par exemple, qui connaît beaucoup d'échecs, qui connaît beaucoup de difficultés, la personne se dit, moi là, je suis maudit, chaque fois il fait ceci, ça ne passe pas. Toujours c'est moi, mes parents qui sont malades, toujours c'est moi qui dépose l'argent, mon argent, je ne sais pas. Et plus tu reçois ces pensées, plus tu reçois ces paroles, plus tu te forges pour ton identité. Tu es différent de la pensée de Dieu pour toi. Je vais dire à quelqu'un. Ton identité est fonction des informations que tu reçois dans ton esprit. Yes. Ton identité est fonction des informations que tu reçois dans ton esprit. Plus tu te dis tu es ceci, plus tu te dis tu es destiné à l'échec, plus tu vas passer par des échecs et des... Ah, l'échec. L'échec fatigue beaucoup l'église. Un jour peut-être que le Seigneur va nous faire la grâce d'entendre ce message que le Seigneur m'a révélé sur l'échec. L'échec. Pas des choses, des choses. Et il faut qu'il a deux choses. Moi, j'ai là à cause d'une crise de situation. Non, moi, ma vie, là, c'est un échec seulement. Non. Est-ce que tu connais l'échec, non? Est-ce que tu connais le moins difficile? Je fais ma parenthèse. Et on qualifie notre identité, ou bien on se qualifie en fonction des circonstances. Ces circonstances que le diable met sur notre chemin pour nous donner d'aller même au-delà. Et on qualifie notre identité en fonction de ces circonstances. Donc tu as besoin de savoir qui tu es. Première chose, tu ne peux pas être résolu tant que tu ne sais pas qui tu es. Parce que la résolution, c'est pas comme le moteur qui a besoin de l'essence pour avancer. C'est pas comme la voiture qui a besoin du carburant pour avancer. C'est pas comme l'avion qui a besoin de kérosène pour s'élever. Et le kérosène là, c'est ton identité, c'est ton pourquoi je suis tel. Tu as besoin de ces deux choses. Ces deux choses sont essentielles pour que tu sois résolu. La Bible a des résolutions de bonheur le succès. Et on prend ce passage-là, on dit, oui, je suis résolu, mais je ne lève pas pour ça pour être résolu. Voilà pourquoi j'ai dit que la résolution est une étape dans un processus qui commence depuis ton identité. Et ton identité, c'est dans la présence de Dieu que tu peux la découvrir. Que tu peux la découvrir. Tu as besoin, voilà pourquoi tu as besoin de te rapprocher de Dieu. Tu as besoin de te rapprocher du Seigneur. Tu as besoin d'entrer, d'être toujours en contact avec lui. Parce que c'est en lui seul que tu pourras découvrir ton identité. C'est en lui seul. Tu vas lire les livres de motivation, tu vas. Vous savez, un jour, j'ai cherché tellement le succès que j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, ce genre de trucs. Comment réussir. J'ai commencé à lire beaucoup de trucs dessus. Et arrivé à un moment même, sans le savoir, j'avais commencé à prendre. une autre route. Pourquoi? Parce que il y a des techniques de méditation qui sont basées sur le bouddhisme. Quand on essaie dans les techniques pour pouvoir réussir ou bien dans les techniques pour pouvoir avoir le succès. Vous voyez, j'avais commencé à entrer dans ce genre de truc. Le Saint-Esprit m'a rappelé à l'ordre. Il m'a fait comprendre que c'est en lui seul que je pourrais avoir une réussite que Dieu qualifie de réussite. Alléluia. Tu peux réussir. Les gens vont dire que tu as réussi.
Les gens vont t'applaudir, les gens donneront un bon témoignage de toi. Mais quand Dieu te regarde, Dieu est déçu. Parce que ce que tu appelles réussite n'est pas forcément ce que Dieu appelle réussite. Alléluia. Et c'est dans la présence de Dieu seulement, dans la présence de Dieu seulement, que tu peux avoir ton identité. C'est dans la présence de Dieu seulement que tu peux découvrir qui tu es réellement. Et c'est dans cette même présence que tu peux découvrir ce à quoi tu es appelé. Alléluia. Tu as besoin de ces deux choses. Tu as besoin de ces deux choses. Tu as besoin de ces deux choses. Voilà pourquoi c'est une nécessité pour toi d'entrer dans la présence de Dieu. C'est une nécessité pour toi d'entrer dans la présence de Dieu, de chercher le Seigneur. N'essaye pas seulement de dire, Seigneur, je suis appelé à quel ministère? Tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Tout le monde n'est pas appelé à annoncer l'évangile. Tout le monde n'est pas appelé à être prophète dans le ministère. Il y a d'autres qui sont appelés à être prophète quelque part là-bas. Il y a d'autres qui sont appelés à occuper des postes de responsabilité. Il y a d'autres qui sont appelés dans la politique. Mais toutes ces choses, tu les reçois dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu as besoin de connaître qui tu es. Tu as besoin de connaître ton identité. Et je veux dire à ces personnes-là qui se sont donné une identité en fonction des circonstances qu'elles passent. C'est faux. Vous n'êtes pas, tu n'es pas appelé à l'échec, tu n'es pas appelé à vivre moins bien, tu n'es pas appelé à vivre de difficulté en difficulté. Ces difficultés-là sont passagères. Ne t'attribue pas ton identité en fonction de ces réalités. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Ce n'est pas ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Il dit les projets que j'ai formés pour vous sont des projets de bonheur, des projets de paix. Et tu as prévu de bonnes choses pour vous. Mais tu as besoin d'entrer dans la présence de Dieu. Tu as besoin d'entrer dans la présence de Dieu. Tu as besoin d'entrer dans la présence de Dieu. Et je vais dire quelque chose, ça va peut-être te choquer. Le Seigneur m'a fait comprendre que le développement personnel, écoutez-moi très bien. Le Seigneur m'a fait comprendre que le développement personnel a un objectif très précis pour les chrétiens. Et si vous ne faites pas attention, vous allez entrer dedans sans le savoir. Le développement personnel a pour objectif de stimuler les activités de la chair. Est-ce que tu savais? Le développement personnel a pour objectif de stimuler les activités de la chair. Si tu veux beaucoup te concentrer sur cette histoire de développement personnel, sans le savoir, tu risques d'être un chrétien très charnel et bien religieux. Très charnel et bien religieux. Pourquoi? Parce que l'objectif du développement personnel, c'est de te faire prendre conscience que tu as de la valeur, c'est de te faire prendre conscience que tu peux, c'est de te faire prendre conscience que tout dépend de toi. Alors qu'en réalité, ce que Dieu veut, c'est que tu puisses comprendre que tout dépend de lui. L'une des premières choses que l'homme a fait, que l'homme a fait en sortant du jardin, c'est se déconnecter de la dépendance de Dieu. Voilà pourquoi l'objectif de Jésus, sinon l'objectif de l'action de Jésus à la fois, c'est de nous envoyer, c'est de nous renvoyer à Éden. Parce qu'en Éden, on est totalement dépendant de Dieu. Et je parle du développement personnel parce que c'est en rapport avec notre identité. Beaucoup passent par le développement personnel pour savoir qu'ils sont, ce à quoi ils sont appelés, avec leur donner de la force, de la motivation. C'est bien. Mais reste concentré. Reste concentré. Reste concentré. Et passe beaucoup plus de temps dans la présence du Seigneur. Passe beaucoup plus de temps dans la présence du Seigneur. Si tu veux lire ce genre de trucs, mais ce genre de livre, lis avec l'Esprit de Dieu. Et je crois que le Seigneur va te donner le message que tu as, que tu dois recevoir au travers de tous ces livres et au travers de tous ces programmes de développement personnel, afin que tu sois une personne accomplie selon la volonté de Dieu et non selon la pensée de l'homme dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc je continue. Il est en train de dire qu'il te fallait ton identité et il te fallait ton pourquoi. C'est-à-dire ce pourquoi Dieu t'a créé ou bien ce à quoi Dieu t'a appelé dans ce pays. Et dans le pourquoi, il y a deux choses encore. Parce que tu peux découvrir une raison. Tu peux te découvrir une raison d'existence qui n'est pas forcément la raison que Dieu a mis pour toi. Et je vais vous donner deux cas, deux exemples bibliques. On va commencer avec Joab. Joab, c'est un personnage qu'on ne connaît pas beaucoup dans la Bible, mais c'est un personnage qui a marqué beaucoup la vie de David. Pourquoi? Parce que c'était son général. Quand David partait en guerre, il ne partait pas seul, il partait avec des hommes sur qui il pouvait compter. Il partait avec des hommes loyaux. Vous voyez? Et Joab, c'est une personne qui avait prouvé sa loyauté à David. Quand David allait en guerre, il partait toujours avec ses hommes de main. Et le responsable de ses hommes de main était Joab. Joab a fait plusieurs exploits. La Bible dit que lorsque Saoul cherchait à tuer David, David s'est retiré, il s'est caché. Et pendant qu'il était caché, au niveau de. Dans le livre, dans le livre de 2 Rois, à partir du chapitre 2,
Il a dit à Joab, il a dit à ses hommes de main, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin d'eau pour me rafraîchir. Il a dit que le seul point d'eau, le puits se trouvait dans un endroit où il y avait des ennemis de David. Qu'est-ce que Joab a fait? Joab s'est levé, il a pris deux ou trois personnes et ils sont allés jusqu'au milieu, ils ont cherché de l'eau et ils ont voulu cette eau-là, ils ont donné cette eau-là. Et Joab a posé plusieurs actions comme ça qui ont prouvé sa loyauté vis-à-vis de David. Quand, au point même où, lorsque David cherchait à tuer Uri, c'est à Joab qu'il a donné l'instruction. Il a dit, lorsque vous allez aller au combat où c'est le plus fort, retirez-vous et laissez Uri seul à cet endroit-là. C'est à Joab que David a donné cette instruction. Et Joab était une personne qui était vraiment loyale. Mais sa loyauté et toutes les actions, ou bien tous les succès qu'il avait accomplis parce qu'il a mené de grandes batailles, n'avaient que pour objectif de satisfaire son ego. N'avaient que pour objectif de le glorifier en gris auprès de David. C'est pour ça que nous avons même que lorsque David a demandé à ce que Adonijah, qui avait essayé de prendre sa place, ne soit pas tué parce que c'était son fils, Joab s'est laissé emporter par son orgueil et a dit, moi j'estime que ça sera opportun, mais ça sera avantageux pour toi que ton fils Joab, non, que ton fils Absalom. Adonijah ou Absalom? Que ton fils Absalom, voilà, que ton fils Absalom meure. Il n'a pas dit à David, il est parti, il a tué Absalom. Sans même consulter David. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire que quand il allait poser cette action allait aller dans le bon sens ou bien dans la bonne volonté du roi David. Et il a tué le fils de David. La Bible dit que quand David a vu ça, il a vu qu'il était victorieux, vainqueur de la guerre. Mais quand il a vu ça, il était assisté parce que son fils a été tué. Pourquoi? Parce que Joab estimait que la volonté, la bonne volonté, mais estimait que c'était opportun, avantageux pour David que son fils meure. Tout simplement parce que son fils est bien. Vous voyez? Et quand on entre dans cette dimension de motivation ou bien d'obsession, on se déconnecte souvent de la pensée de Dieu. Souvent, Dieu peut te dire que tu as appelé un grand ministère, Dieu peut te dire que tu as appelé à faire de grandes choses. Mais tu es tellement concentré sur ces grandes choses-là que tu oublies même le Dieu qui t'a révélé cela. Et ça, c'est une erreur très grave. Donc, tu es motivé, tu peux être résolu même. Mais la manière dont tu travailles ne plaît pas forcément à Dieu. Et c'est en cela qu'on assiste à plusieurs jeunes serviteurs de Dieu qui commencent à crier à Dieu, oh Seigneur, merci parce que tu m'as appelé un grand ministère. Seigneur, je veux qu'on travaille de ma vie, que je puisse te glorifier. Alors, tu entends de faire une prière à Dieu. Tu fais cette prière à Dieu, mais intérieurement ou bien dans ton subconscient, ce que tu veux, c'est que les hommes puissent te regarder. En réalité, ce n'est pas la gloire de Dieu que tu cherches. Non, non, non. Tu dis, Seigneur, je veux que tu m'utilises pour la gloire de ton nom. Mais en réalité, c'est que les hommes puissent t'approuver. Que les hommes puissent dire, oui, cet homme-là, vraiment, il a l'onction de Dieu, il a la main de Dieu sur ta vie. Et c'est ce que tu recherches de manière inconsciente. Voilà pourquoi vous faites très attention quand on demande certaines choses au Seigneur. Voilà pourquoi vous faites très attention, même quand on sait ce à quoi on appelle, vous faites très attention dans notre manière de demander ces choses au Seigneur, dans notre manière de prier, dans notre manière de dire, Seigneur, utilise-nous pour ta gloire. Faisons très attention. Qu'est-ce qui nous accompagne réellement? Sinon, qu'est-ce qui accompagne cette prière ou bien qu'est-ce qui nous motive réellement? La gloire doit revenir à Dieu seul. Si Dieu veut t'associer à sa gloire, ça dépend de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi pendant le Seigneur me faisait comprendre que plusieurs, pendant le moment de prière, disent Seigneur, utilise-moi. Et là, je parle aux jeunes serviteurs de Dieu, je vais arriver à une autre catégorie plus tard. Dis Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. Seigneur, fonctionne. Il dit, Seigneur, nous avons besoin de la puissance. Moi-même, il y avait un souvenir de prière au feu. Nous avons besoin de la puissance. Mais en réalité, qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui te motive? Est-ce que c'est ton ego? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est ton ego ou bien est-ce que c'est la volonté de Dieu qui t'anime? Est-ce que c'est la volonté de Dieu qui t'anime? C'est pourquoi, dans tout ce que tu fais, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive? Est-ce que ce qui te motive, c'est le niveau que tu vas atteindre, mais la position que tu vas atteindre? Ou bien ce qui te motive, c'est le travail que Dieu veut faire, Dieu va faire au travers de toi? C'est très subtil à ce niveau-là. Voilà pourquoi il faut faire vraiment attention. Et Joab a été obstiné par lui-même. Il a réussi, hein? Il a mené plusieurs victoires, il a mené plusieurs batailles. Mais la fin de sa vie est déplorable. Pourquoi?
Parce que la Bible dit que la première chose que Salomon a fait, lorsqu'il est venu sur le trône, c'est d'ordonner la mort de joie. Et ce grand héros, on parle même pas de lui dans la Bible, on parle de Josué, on parle de Moïse, on parle de plusieurs personnes qui ont marqué la Bible, on ne parle pas beaucoup de joie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un modèle que Dieu qualifie de modèle. Et pour pouvoir être résolu, bien, c'est bien d'avoir une raison, mais il faut que cette raison-là soit une raison que Dieu estime juste. Et il faut que cette raison-là soit pour la seule gloire de Dieu. Dans la mesure où cette raison-là a un rapport étroit avec ton ego, ton orgueil, tu vas travailler pour Dieu, tu vas faire beaucoup de choses, mais Dieu ne sera pas content. Il y a un de mes frères, je lui ai demandé à dire, je suis parti organiser au courant une veille de prière. Une grande église, et on est allé. Et vraiment, c'était puissant. Ils ont prêché, ils ont donné le message. Le message nous a fait du bien. Après, ils ont prié, il y a eu des délivrances, des miracles, des guérisons. Et quand on a fini, quand il fait la fin, le programme, c'est le frère avec qui il a organisé le programme, vu que c'est lui qui était à la tête. Moi, on commençait à le féliciter, on commençait à lui dire vraiment félicitations parce que le programme a réussi, il y a eu des délivrances. Il dit quand il est rentré à la maison, la première chose que Dieu lui a dit, c'est que s'il mourait tout seul, la lame en fait. Après, c'est la femme, il a arrêté carrément d'organiser des programmes. Parce que cette révélation qu'il avait reçue ce jour-là lui a fait peur. Voilà pourquoi tu peux faire des trucs, tu peux faire plusieurs choses, tu peux être motivé pour le Seigneur, mais qu'est-ce qui est caché derrière ta motivation? Est-ce que c'est ton ego ou bien est-ce que c'est la volonté de Dieu? Alléluia. Alléluia. Donc tu as besoin d'avoir une motivation qui est inspirée de Dieu, une motivation qui est pure. Parce que même derrière les choses qu'on qualifie de saines, le diable se cache dans les détails. Et tu vas travailler, tu vas œuvrer, et pas seulement même dans le ministère, tu auras peut-être plusieurs hauts postes de responsabilité dans la société ou même dans la politique. Mais qu'est-ce qui te motive? Tu as besoin d'avoir une bonne motivation. La motivation seule ne suffit pas. Mais tu as besoin que cette motivation soit en phase avec la motivation de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit dès le départ, ce qui te faut, c'est la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu vas non seulement avoir ton identité, mais c'est dans la présence de Dieu que tu auras la réelle raison pour laquelle Dieu t'a suscité depuis la terre. C'est dans la présence de Dieu que tu auras ces deux choses essentielles. Donc tu peux être motivé, tu peux être résolu. Mais ta résolution est fondée sur des faits que Dieu n'approuve pas. Et tu vas travailler, tu vas chercher Dieu. Et le Seigneur ne sera pas content pour toi. Ou il ne sera pas content du travail que tu effectues. Pourquoi? Parce que ta motivation n'est pas cette motivation que le Seigneur a prévue avec lui pour toi. Il te faut la présence de Dieu. Siméon connaissait qui il était. Simeon savait son identité en Dieu. La Bible dit qu'il allait régulièrement dans le temple. Certainement, il partait chercher Dieu. Mais au-delà de ça, il savait ce que Dieu attendait de lui. Il savait qu'il devait annoncer à Israël que la consolation de lui. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut que tu saches ce que tu as appelé à faire. Dieu veut que tu aies une idée claire de ce que tu as appelé à faire. Dieu veut que tu aies une idée claire de ton identité. Et quand ces deux facteurs seront réunis, je ne pense pas que tu ne seras pas heureux. Oui. Dès cet instant où ces deux facteurs de ton identité, dès cet instant où ce premier facteur de ton identité et de la raison pour laquelle Dieu t'a cité sur terre seront réunis, seront mis ensemble, c'est clair que tu vas être heureux. Parce que quand tu sais sur quoi Dieu t'a appelé, il y a des choses que tu ne fais pas, ou il y a des endroits que tu ne fais pas comprendre. Parce que tu sais que tu sais sur quoi tu as appelé et tu commences à travailler par rapport à ton appel. Tu commences à te donner à toi. Si le Seigneur t'a dit que tu allais élevé dans les postes de responsabilité ou bien dans le domaine de la finance, si tu n'amuses pas avec des études. Parce que tu sais qu'au travers de tes études, Dieu veut bénir plusieurs. En réalité, ce n'est pas la position que tu veux occuper et qui t'intéresse, mais c'est surtout ce que Dieu va faire au travers de toi qui est ta priorité. Et tu te concentres là-dessus, tu commences à tout nous chercher le Seigneur et tu te donnes à fond. On a besoin d'être résolu. Aujourd'hui, les gens. On ne cherche même pas Dieu. Chercher Dieu là, ça ne peut même plus passer notre priorité. Alors que le Seigneur a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Il n'a pas dit de ne pas chercher les autres. Mais il dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Mais aujourd'hui, on n'est pas résolu.
On n'est pas revenu, on ne peut pas de décision ferme. Tout simplement parce qu'on n'a pas de bonne motivation, mais tout simplement parce qu'on ne sait pas qui on est en Christ. Église, on a besoin d'être motivé. On a besoin de savoir qui nous sommes. Et par-dessus tout cela, on a besoin d'être résolu. Écoute, quand tu cherches à voir Dieu t'appeler, les circonstances peuvent venir, plusieurs difficultés peuvent venir, la maladie peut arriver, les échecs peuvent arriver. Mais tu sais en qui tu as cru. Tu sais en qui tu as cru et tu sais où Dieu va t'envoyer. Vous pensez que c'est... Toujours prendre l'exemple de Joseph. Non, Joseph, c'est une bonne personne. Joseph a demeuré dans le Seigneur, il a demeuré dans le pouvoir de Dieu jusqu'à la fin. Mais vous pensez que c'est facile d'être dans un puits et d'avoir à l'esprit la vision que Dieu lui a donnée? Dieu te dit, Joseph, moi je vais te lever au-dessus des frères, au-dessus de tes frères, au-dessus de ta famille. Quelques jours plus tard, tu te retrouves dans un puits. Faisons très attention. Vous pensez que c'est facile? On dit non, demeure comme Joseph et on cite Joseph comme exemple. Mais vous pensez que c'était facile pour Joseph? Non! Ça n'a pas été facile pour Joseph. Mais Joseph savait qui il était. Joseph savait quelle était son identité. Joseph savait que tôt ou tard, ce que Dieu a dit sur sa vie allait s'accomplir. Et il allait être une source de bénédiction. Il s'est attaché à cela. Et quand tu sais qui tu es, et quand tu sais ce à quoi Dieu t'a appelé, tu t'attaches à ces choses. Tu es résolu. Tu es obligé d'être résolu. Tu ne peux pas marcher comme tout le monde. Mais tu marches avec cette vision que Dieu t'a donnée dans ton esprit. Et tu continues d'avancer. Même quand les circonstances sont que tu dois t'arrêter, tu continues de t'efforcer. Et tu demandes au Seigneur de te donner d'avancer, de progresser. Pourquoi? Parce que tu as dans ton esprit ton identité. Et tu as dans ton esprit ce à quoi Dieu t'a appelé. Et l'Église, nous avons besoin de ça. On a besoin de ces choses. Aujourd'hui, c'est difficile pour toi d'entrer dans la présence du Seigneur parce que tu n'as pas encore compris que le fait que tu viennes dans la présence du Seigneur, ton éternité en dépend. Non seulement ton éternité en dépend, mais ta vie sur terre aussi en dépend. Ta vie sur terre aussi en dépend. Dieu a pu nous laisser dans l'éternité, on n'allait jamais venir ici. On allait rester là-bas, tout allait être rose, on allait être avec les autres. Mais s'il a permis que nous soyons là, c'est parce qu'on est en vol à jouer sur cette terre. Et tu as pris en vol à jouer sur cette terre. Peu importe le lieu où tu es, ou bien peu importe la responsabilité que tu as dans l'église, ou peu importe la position que tu as dans la société, tu as un rôle à jouer. Mais tu as besoin de la présence de Dieu pour savoir quel est ce rôle que tu dois jouer. Tu as besoin de la présence de Dieu pour savoir quelle est ton identité. Et tu as besoin de toutes ces choses pour être résolu, pour avancer même quand tout est arrêté. Pour continuer à marcher même quand tout est arrêté. Je vous donne un exemple qu'on m'a donné. Un de mes frères me donnait cet exemple. Il m'a dit, maintenant, quand tu marches, quand ton voix par exemple aller faire une course, et tu vas faire cette course-là, et tu arrives, bon, sur le chemin, tu cognes un caillou avec ton pied. Il dit, quelle est ta réaction? Mon ami m'a posé cette question. Il m'a dit, quelle est ta réaction quand tu cognes quelque chose, mais lui, quand tu cognes quelque chose et puis ton pied te fait mal ou tu te blesses. Il dit, je m'arrête, je regarde mon pied. Quand j'ai fini de pleurer sur ma douleur, j'avance. Il dit, c'est ce qu'on fait. Mais dans la pratique de notre relation avec Dieu, on n'arrive pas à avoir ce genre de réflexe. C'est parce que quand les situations arrivent, on perd automatiquement de vue l'objectif. On perd automatiquement de vue ce à quoi Dieu nous a appelé. On se focalise sur ces circonstances-là. Et c'est au travers de ces circonstances-là que le diable passe partout pour te donner une nouvelle identité que tu as de toi-même qui est différente de l'identité que Dieu a de toi. Et tu te formes une identité. J'ai dit tout à l'heure que ton identité est en fonction des informations que tu reçois de ton esprit. Et donc quand on arrive à un niveau où on se colle au mur, où notre tête colle au mur, on commence à réfléchir, on commence à perdre de vue l'objectif. Ne perds jamais de vue l'objectif. Parce que le jour où tu vas perdre de vue l'objectif, ce jour-là, tu vas manquer de résolution. Tu vas manquer de force pour t'accompagner dans ta résolution. Tu ne seras plus déterminé. Voilà pourquoi il faut toujours avoir à l'esprit ton identité. Et ce à quoi Dieu t'a appelé. Il faut que tu aies toutes ces choses en esprit, toujours. Il faut que tu aies toutes ces choses toujours en esprit. C'est deux choses. Tu as besoin de ces deux choses pour être résolu. Tu as besoin de ces deux choses pour être résolu. Et si tu remarques bien dans ta vie, si tu remarques que tu as un problème parce qu'il concerne la résolution, c'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau de ton identité, ou bien il y a un problème au niveau de ton appel, ou bien de ce que Dieu attend de toi. Il y a un problème forcément à l'un de ces deux niveaux, ou bien aux deux niveaux carrément. Ton identité, ou bien sur quoi Dieu t'a appelé. Il faut que ces choses-là soient claires dans ton esprit. Et quand
ces choses soient trop claires de ton esprit, même quand c'est bizarre, tu dis, Seigneur, je sais que je suis en Christ. Je sais que je suis en toi, je sais que tu m'as appelé à faire quoi, et donc je ne veux pas abandonner. Les circonstances ne vont pas me donner une nouvelle identité de moi, non. Les circonstances ne vont pas faire de telle sorte que je puisse perdre mon objectif de vue, non. Seigneur, je crois en ces choses, et donc je suis résolu. Tu es résolu. Tu es résolu. Voilà pourquoi je t'encourage à t'approcher davantage du Seigneur, et à demander au Seigneur ce à quoi tu as appelé. Et quand je dis ce à quoi tu as appelé, je ne parle pas forcément du ministère. Ne vous focalisez pas, ne dites pas seulement ce message est destiné aux personnes qui vont servir Dieu dans l'église. Non. Le service de Dieu n'est pas forcément rattaché à l'église. Oui. C'est rattaché à tes études. C'est rattaché à ton travail. C'est rattaché au business que j'aime pas exercer. C'est rattaché à toutes ces choses. Dieu n'est pas cloisonné. N'enfermons pas Dieu quelque part. Dieu est ouvert. La Bible dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu était en mouvement. Dieu est toujours en mouvement. Donc, je ne veux pas que tu te mettes un blocage, mais une barrière dans ton esprit à cause de ce message que tu entends dans ton. Rentre dans la présence du Seigneur. Dis, Seigneur, à quoi est-ce que je suis appelé? Siméon savait à quoi est-ce qu'il était appelé. La Bible dit qu'il a demeuré. Imaginez une personne comme lui. Certainement, il était très âgé. Je ne connais pas exactement son âge, mais il était certainement âgé. Et j'ose croire que le Seigneur s'est revenu à lui dès son plus jeune âge. Mais il a demeuré. Il dit, certainement, je verrai la consolation. Certainement, je verrai la consolation. Et chaque jour, il entre dans le temple pour espérer voir la consolation. Et je sais que certainement, ce jour-là, lorsque l'Esprit de Dieu l'a poussé pour aller dans le temple, certainement, il s'est dit que je vais dans le temple pour encore me rapprocher davantage du Seigneur. Mais ce jour-là, le Seigneur avait prévu un rendez-vous divin. Et il a rencontré la consolation. Il a dit, Seigneur, tu peux me laisser aller dans la paix. Et je vais te donner un autre exemple d'une personne qui était résolue, que je connais très bien, David. On parle du roi David, on dit non, le roi David, on le prend comme exemple. Quand on veut citer les héros de la Bible, on le prend comme exemple. Mais il y a un aspect de la vie du roi David qu'on ne connaît pas. La Bible dit que l'onction de la royauté l'a localisé quand il était très tôt. Et certains théologiens disent qu'il avait entre 15 et 17 ans lorsqu'il était pour un roi. Mais est-ce que vous savez à quel âge David a été consacré ou bien a été établi roi sur Juda et sur Israël? Est-ce que vous savez ça pour combien de temps? Ça a pris des années. Et selon les recherches, il y a d'autres qui disent que ça a pris même jusqu'à 30 ans. 30 ans avant que la prophétie ne s'accomplisse exactement. Comment un roi peut se réfugier dans une caverne? Ah! C'est quel autre chose, j'ai reçu. Alors qu'il a dit qu'il avait été point avec la pomme. Avec la pomme. Saül a été point avec une petite fiole. Mais dès qu'il a été point, il a commencé à prophétiser. Ça n'a pas duré, on l'a consacré comme roi sur Israël. Mais le grand David, avec la parole, il a passé du temps. Certains disent qu'il a fait 30 ans, avant d'être établi roi sur Juda et sur Israël. 30 ans. Non, ne pensez pas qu'on lit l'histoire de David, on dit non, David c'est un grand roi, David non, c'est un héros, mais puis ça s'arrête là. Non, il y a la patience. Dans la résolution, et j'arrive à la dernière partie, dans la résolution, il te faut être patient. Il te faut être patient. Vous savez, le caractère est éprouvé par le temps. Et qui parle le temps, parle de patience. Voilà pourquoi il te faut être patient. Il te faut être patient dans la présence de Dieu, tout en demeurant dans la présence de Dieu. Ne s'agit pas de s'asseoir là, non, rester là, et puis, Dieu s'est passé, c'est passé. Non, il faut toujours t'approcher au Seigneur, et il faut toujours croire en ce que Dieu a dit sur ta vie. Ce que Dieu a dit sur ta vie, il faut croire que toutes ces choses vont s'accomplir. Et tu es patient, même quand le temps passe. Et là, pendant que je suis en train de parler, il y a une image qui me vient à l'esprit. Il y a un homme de Dieu qui a donné ce témoignage. Il a mis ses gens pour son statut. Il dit, tu as dit que tu allais te marier à 25 ans. Mais aujourd'hui, tu as 35 ans. Aujourd'hui, tu as 35 ans. Tu dis quoi de cela? Il nous faut être patient. Le plan, la manière dont Dieu va se manifester dans notre vie n'est pas forcément cette manière qu'on a conçue. Imaginez David. David était dans la brousse quelque part là-bas. Et puis on lui dit, écoutez un peu comment ça se passe. On lui dit que tant que tu n'es pas là, on ne peut pas faire la cérémonie. Donc du coup, c'est ça que pourtant, ça demande David. Il a dit, hein? Donc tant que je ne viens pas, on ne peut pas faire la cérémonie. D'accord, et puis il a commencé à marcher comme un boss. Il a pris tout son temps, il est arrivé. Samuel a pris la pomme. Quand il a regardé la pomme, dès qu'il a regardé la pomme, lui-même il a senti l'onction. Parce que ce n'était pas petite comme. Il a pris la pomme, il l'a versé. Et certainement, David s'est dit, Seigneur,
Tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu fidèle, tu t'es révélé avant depuis ma jeunesse. Et aujourd'hui, tu as accompli une chose. Et David était en train de certainement bénir le Seigneur. Mais il ne savait pas qu'il allait dormir dans le bois après. Il ne savait pas qu'il allait pas se cacher, il ne savait pas qu'il allait lutter pour sa survie. Et toutes ces choses, David est passé par toutes ces choses. Toutes ces choses. Toutes ces choses. Jusqu'à ce que la volonté, la pensée de Dieu s'accomplisse de manière claire dans sa vie. Prenons l'histoire d'Abraham. Prenons l'histoire d'Abraham. Il a dit. Abraham qui allait être le père d'une multitude. Et Abraham était attaché à cette parole. Abraham savait que sur cette terre-là, il n'allait pas mourir tant que tant qu'il n'arrivait pas au stade ou bien au niveau où il est le père d'une multitude. Il savait ça, mais il n'avait pas les descendants. 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Les années sont passées, mais Abraham a tenu ferme. Il s'est attaché. Il a été patient. Ouais, tu veux être résolu, mais c'est de ça que tu as besoin d'être patient. Tu as besoin d'être patient. Souvent, on entre dans la présence du Seigneur et on demande, on prie pour certains sujets par lesquels on passe. On dit Seigneur, Seigneur, on veut te voir agir dans tel domaine. On prie. 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, Dieu ne fait pas, toi, tu es découragé. Et si tu connais ce qu'on appelle, ce que Dieu appelle patience, mais peut-être que toi, spécialement pour toi, là, c'est très bien que Dieu a prévu. Regarde, ça fait régresser une réalité. Alors que toi, dans ton programme, tu as mis ça un maximum 1 heure. Sois délivré de ton programme pour le nom de Jésus. Sois délivré de ton programme. Tu as besoin d'être patient. Tu as besoin d'être patient. Mais dans toutes ces choses, ce qu'il te faut par-dessus tout, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Ta vie, elle est venue sans la présence de Dieu. Je veux que tu. Je mets une action particulière là-dessus. Depuis même que j'ai commencé le message, quand je parlais de l'identité, quand je parlais de ce à quoi j'étais appelé. Tu as quoi le Seigneur t'a appelé? Je parle toujours de la présence de Dieu, de la présence de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin de la présence du Seigneur. Pour être résolu. Sinon, tu vas prendre des décisions qui vont pour réussir un certain moment, qui vont pour réussir un certain mois. Mais tu ne vas pas aller jusqu'au bout de tes décisions. Pourquoi? Parce que non seulement tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, tu n'as pas encore reçu la révélation de qui tu es ou bien la révélation de ce à quoi tu as appelé. C'est là, c'est dit comme ça. Depuis combien d'années tu es converti? Est-ce que tu sais là où le Seigneur t'attend? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu sais là où le Seigneur t'attend? Est-ce que tu connais la particularité de ton identité? On a besoin de connaître toutes ces choses pour être efficace dans le royaume. S'il partait tous les jours au temple, parce qu'il savait que, quelque part, la consolation qu'il allait voir avant de mourir allait être là-bas. Et il s'est laissé conduire par l'Esprit. La Bible dit. La Bible dit au verset 25, il y avait un homme, Luc chapitre 2, à partir du verset 25. La Bible dit, l'Esprit Saint est avec Simeon, et il lui dit, avance. Et il a dit d'avance, tu ne mourras pas avant d'avoir vu la consolation. Alors, verset 27, Simeon poussé par le Saint-Esprit, Simeon poussé par l'Esprit, va dans le temple. Tu as besoin d'être toujours en contact avec le Seigneur pour avoir la pensée de son esprit, de sorte à ce que tu sois dans le lieu où Dieu veut que tu sois. Souvent tu dis tu échoues, et chaque fois je vais parler de ça. Souvent tu dis tu échoues, mais tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Après ça vous dit que Jésus est la volonté de Dieu. Non, c'est pas le Seigneur qui a pris. Tu es dans le mauvais endroit, tu es dans la mauvaise position. Et sinon, ça va où l'aller rencontrer le salut. Il s'est laissé conduire par l'esprit. La musique poussée par l'esprit, il entra dans le temple. Et dès qu'il est entré, il a vu Marie, il a vu Joseph, mais il a vu une autre personne qui a attiré son attention, et c'était Jésus. La Bible dit que dès qu'il a pris, son âme était dans la paix et son âme était dans la joie. Il a dit, Seigneur, tu peux me laisser maintenant aller mourir dans ta paix. Tu peux me laisser aller mourir dans ta paix parce que j'ai vu la consolation, la promesse que tu as déclarée sur ma vie. Écoutez, ce que Dieu dit sur ta vie doit forcément s'accomplir avant que tu le veux. On a tendance à dire souvent, dans un problème. On entend ça dans les programmes de prière, mais dans les rencontres de prière. Tu ne mourras pas tant que ce que Dieu a dit sur ta vie ne s'accomplira pas. C'est une vérité, mais tant que tu n'es pas dans la présence de Dieu, ça ne va jamais s'accomplir. Et puis tu vas mourir sans que tu ne voies ce que Dieu a déclaré sur ta vie et ce que Dieu a dit sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Cette parole-là concerne seulement ces personnes qui s'approchent davantage du Seigneur. Dis, Seigneur, je veux que ta volonté s'accomplisse. Des personnes qui ont fait de la volonté de Dieu leur priorité, c'est de ça qu'il s'agit. La volonté de Dieu. Et je termine par ça. La volonté de Dieu. Il faut que la volonté de Dieu soit ta priorité. Soit ta priorité. Parce qu'en réalité, ce que Dieu t'a appelé à faire, c'est sa volonté pour ta vie. Yes.
c'est sa volonté pour ta vie. Et quand tu es attaché à sa volonté pour ta vie, et quand tu sais qui tu es obligé d'être aux élus. Tu es obligé d'être aux élus. Où les gens passent leur temps à manger, à jouer, tu t'amuses pas, tu n'as pas le droit de t'amuser parce que tu connais ton appel, tu connais le prix que tu as payé. Il y a des gens qui doivent passer beaucoup de temps dans la prière, il y a des gens qui doivent passer beaucoup de temps dans le jeûne, il y a des gens qui doivent passer beaucoup de temps dans la méditation en fonction de leur identité et en fonction de leur appel. Ils ont une spécificité. Mais tu ne pourras jamais connaître toutes ces choses tant que tu ne te mets pas dans la présence de Dieu. Et tu ne pourras jamais être résolu tant que tu ne te mets pas dans la présence de Dieu pour avoir ton identité et ton appel. Ce message que le Seigneur avait mis dans mon cœur pour toi ce soir, sinon on se joue, j'espère que ce message a fait du bien. Voilà pourquoi on va s'en prier. Et tu vas dire, Seigneur, on aura ce sujet de prier, voilà pourquoi je veux que tu parles bien au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à demeurer dans ta présence. Aide-moi à demeurer dans ta présence. Tout à l'heure, avant de commencer, il a dit, David a dit, je suis dans la chambre comme on dit, allons dans la présence du Seigneur. Allons dans la maison de l'Éternel. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à prendre plaisir dans ta présence. Yes. Aide-moi à prendre plaisir dans ta présence. Et révèle-moi mon identité. Pas seulement mon identité, en plus de cela, révèle-moi ce que tu attends de moi, révèle-moi ce à quoi je suis appelé, révèle-moi ta volonté pour ma vie. Est-ce que tu peux commencer à parler à toi? Oh, merci Seigneur. Oh Seigneur, donne-moi de passer du temps dans ta présence. Donne-nous de passer du temps dans ta présence. Donne-nous de passer du temps dans ta présence. Donne-nous de passer du temps dans ta présence. Donne-moi de passer du temps dans ta présence. Afin que je sache qui je suis bien moi. Et afin que je sache ce à quoi je suis appelé. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence parmi de Dieu. J'ai besoin de ta présence pour savoir mon identité. Pour savoir mon identité. Pour savoir mon identité. Pour savoir ce que tu attends de moi. Pour connaître ta volonté dans ma vie. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Pour avancer. J'ai besoin de toutes ces choses. Pour être résolu parmi de Dieu. Alors, continue de parler au Seigneur. Demande au Seigneur de te révéler qui tu es. De te révéler qui tu es. De te révéler qui tu es. Demande au Seigneur de te révéler sa volonté pour ta vie. Alors, tu as besoin de connaître ces deux choses. Si tu veux être résolu. Tu as besoin de connaître ces deux choses. Si tu veux être résolu. Toutes ces personnes qui ont marqué l'histoire de l'Église, qui ont marqué l'histoire de l'humanité, sont des personnes qui savaient leur identité et qui savaient ce à quoi elles étaient appelées. C'est pourquoi, pendant que je suis en train de prier, demande au Seigneur de te révéler ta réelle identité. Demande au Seigneur de te révéler ce à quoi tu as. Oh Seigneur, révèle-moi ce à quoi je suis. Révèle-moi ce à quoi je suis. Révèle-moi ce à quoi je suis. Révèle-moi mon identité. Révèle-moi mon identité. Écoute, tu as besoin de ces deux choses pour être résolu. Tu ne peux pas te lever un matin comme ça et être résolu. Tu as besoin de ces deux choses pour être résolu. Sinon, tu vas prendre des décisions qui vont courir sur un certain temps. Mais ces décisions-là seront éprouvées et ces décisions-là ne pourront pas durer dans le temps. Tout simplement parce que tu ne sais pas qui tu ne sais pas où tu vas. Demande au Seigneur de te révéler ces deux choses. Oh Seigneur, révèle-nous dans le monde. Révèle-nous dans le monde. Révèle-nous dans le monde. Révèle-nous dans le monde. Nous nous sommes précieux avant nous sommes appelés dans le monde. Tu vas prier pour ce deuxième sujet. Tu vas dire, Seigneur, là où je me suis donné une identité en fonction de mes circonstances. Seigneur, viens renouveler mon intelligence. Viens renouveler mon esprit. Parce que la Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 1, à partir du verset 1. Voici l'homme heureux, il n'écoute pas les conseils des gens qui sont mauvais. Dans notre version, on dit, il n'écoute pas les conseils des méchants. Et le conseil des méchants, ce n'est pas seulement celui qui avait été dit de calomnier, mais celui qui avait été dit de jalouser ton frère. C'est aussi toutes ces pensées négatives que tu mets dans ton esprit et qui te conditionnent. Voilà pourquoi tu vas demander au Seigneur de renouveler ton intelligence. Là où tu t'es laissé influencer par les événements de ta vie, par tes circonstances, de sorte à ce que tu t'es forgé une mentalité ou une identité qui est carrément à l'opposé de l'identité de Dieu, que le Seigneur vienne renouveler ton intelligence. Est-ce que tu peux commencer à parler? Que le Seigneur vienne renouveler ton intelligence afin que tu puisses avoir l'identité que Dieu te donne et non l'identité que tes circonstances et que la vie te donne. Oh éternel, viens renouveler notre intelligence. Viens renouveler notre intelligence. Viens renouveler notre intelligence. Viens renouveler notre intelligence. Là où j'ai fondé mon identité sur des faits qui ne sont pas de toi, sur des circonstances de la vie à de Dieu, viens enlever ces raisonnements
viens enlever ces forteresses de mon esprit et donne-moi d'avoir à mon esprit l'identité que tu me donnes. Donne-moi d'avoir à mon esprit les informations qui sont conformes à l'identité que tu me donnes dans le nom de Jésus. Moi, le Seigneur, le fait de faire que mon esprit puisse recevoir l'information, les informations que Dieu lui-même te donne par rapport à l'identité que tu te donnes. Oh Seigneur, donne-moi les informations. Donne-moi les informations, que mon esprit reçoive les informations que tu me donnes par rapport à mon identité, par rapport à l'identité que tu m'as donnée. Oh, béni sois-tu. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à prier? Ce temps, il a permis que nous puissions passer dans sa présence. Je peux commencer à prier. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom. Et te merci pour ce temps extraordinaire. Et la mort, je t'apprends. Merci à nous de Dieu, merci à nous de Dieu. Merci à nous de Dieu. Parce que tu nous donnes d'être résolus. Seigneur, tu nous donnes de savoir qui nous sommes. Tu nous donnes de savoir ce à quoi nous sommes appelés. Tu nous donnes d'être réellement résolus. Oh Seigneur, tu as besoin que nous soyons résolus. Dieu ne fait jamais rien sans que nous soyons résolus. Tu as besoin de ta résolution. Mais tu as besoin de connaître ton identité. Tu as besoin de connaître ton appel. Tu as besoin de connaître la volonté de Dieu pour ta vie, pour être résolu et pour avancer contre votre troisième mari. Oh Seigneur, merci parce que tu nous donnes d'être résolu. Merci pour ce temps que tu as permis que nous puissions passer. Merci pour ce message. Merci parce que tu nous donnes de savoir qui nous sommes. Merci parce que tu nous donnes de savoir ce à quoi nous sommes appelés. Et par-dessus tout, tu nous donnes d'être résolu dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, je suis résolu. Je suis résolu. Je suis résolu. Je suis résolu dans le nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit bon. Amen. J'espère que ce moment t'a fait du bien. Comme je l'ai dit, passe beaucoup de temps dans la présence du Seigneur. N'attends pas qu'on vienne, qu'on organise des moments de prière pour entrer dans la maison de ton Père, dans la présence de ton Père. C'est ton Papa. Présente-lui ta vie, pas lui à n'importe quelle circonstance. Je termine avec ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a fait comprendre et il m'a dit que rien n'est trop ordinaire pour ne pas être spirituel. Rien n'est trop ordinaire pour ne pas être spirituel. Voilà pourquoi on n'attend pas forcément un grand truc ou bien une circonstance particulière pour entrer dans la présence de Dieu ou bien pour parler à ton Dieu. Parle à ton Dieu de tout. Même tout ce qui te semble normal ou bien ordinaire, parle à ton Dieu de tout ça. Donne-toi toujours des raisons d'entrer dans la présence de Dieu et de parler à ton Papa. C'est ton Papa, c'est mon Papa, c'est notre Papa. C'est dans sa présence que tu auras ton identité. C'est dans sa présence que tu auras la consolation. C'est dans sa présence que tu auras connaissance ou d'éclair de ce à quoi tu as appelé. Et c'est par sa présence que tu seras résolu. Et tu pourras avancer. Et tu iras de succès en succès, de gloire en gloire, dans le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse vos familles, que Dieu visite vos familles, vos maisons dans le nom de Jésus. On sera à une prochaine séance par la grâce de Dieu. Pendant ce temps, shalom et que la main de Dieu soit sur la vie. Au nom de Jésus. Amen. Ma vie est ton dîner pour Sanayo. Tu es celui qui donne et qui reprend. Ce qui importe, c'est d'être dans ton cœur. Mote mananga ezokae. Mais de chacune de mes blessures coule tes louanges. Yangonaye mbanini susu. Si ce n'est ce refrain, béni soit ton nom, Emmanuel. Ton nom, Emmanuel. Tous les rejets des humains n'ont pas changé les projets divins. Être rejeté.
le pays n'est pas le problème. Ce qui importe, c'est où est-ce que l'on tombe. Tomber entre les mains du potier, c'est la garantie d'être façonné, transformé à son image, avec un témoignage. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Alors que le ciel est ouvert, nous le crions très fort. Béni soit ton nom. Dans nos cœurs, tu es béni. Dans nos vies, tu es béni. Béni soit ton nom. Emmanuel. Hey! Narcisse de Saron. Maître des saisons.